Hello, allez, c'est Blixis et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing sur un casque que j'ai acheté récemment. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Ce casque, c'est le casque Kingtop K11 disponible chez Amazon. C'est un casque à arceaux pour PS4, PC et Xbox. Oui, c'est marqué dessus. Et en gros, voilà. Donc, je vais vous faire la présentation de ce casque et je vais le comparer au mien. Donc, je vais l'ouvrir devant vous, attendez. Ah, je l'ai reçu aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de le tester. Voilà. Ah bah le casque. Pour une fois que le casque, il a été envoyé avec son emballage. Donc le voici. Oh punaise, il est vraiment léger, hein. Bon, attendez, je vais ouvrir ce sachet. Le sachet à but. J'adore les sachets à bulles. Je m'amuse trop avec. Ah, on voit que ça a été envoyé avec un adaptateur PC. J'ai déjà un adaptateur, mais bon, hein, c'est sympa à eux de m'en envoyer un nouveau, hein, au cas où je le déchire. Alors le voilà, le fameux casque. Donc, voici ce casque. Kingtop. Il est vraiment léger, hein. Comparé au mien qui pèse. Ce casque pèse 300 grammes et celui que j'ai là, attendez, il pèse 388 grammes environ. Celui-là il est vraiment plus léger que l'autre. Je suis assez surpris. On voit que ce casque il est parfaitement souple. On peut le plier n'importe comment. C'est assez solide hein, en plastique. Le coussin pour les oreilles, c'est du simili-cuir. Et on voit que ça rentre parfaitement dans l'oreille, ça les contours. Et la nouveauté avec ce casque, c'est que le micro est flexible. Vous pouvez le plier n'importe comment. Et comme ça, après, les joueurs pourront vous entendre. C'est vraiment assez pratique. Ça changera un peu de l'autre casque que j'avais et qui dont le micro, attendez, je vais vous montrer. Le micro n'était pas flexible du tout, hein. C'était un micro en plastique, simplement en plastique, hein. Voilà. Donc je vais déballer ça. Je vais enlever ce truc qui dépasse là. Voilà. Ah! Voilà l'adaptateur. C'est un adaptateur pour... Ouais. Je sais pas à quoi sert cette... Ah oui, ça c'est l'adaptateur pour la Xbox. Ça c'est fait pour la Xbox 360. J'en ai pas trop besoin puisque je joue pas trop sur Xbox. Hein. Je joue sur PS4 et PC. L'adaptateur. Bon, l'adaptateur... C'est un adaptateur de normal, hein, de tout ce qu'il y a. Hein. Mais bon, ça m'en fera un nouveau parce que comparé à l'autre adaptateur que j'avais, c'était un truc. Attendez, je vais poser ça dans le coin. C'était un truc un peu plus petit et qui se déchirait pas. Ah, petite nouveauté avec ce casque, c'est que en fait, pour augmenter le volume du casque, c'est un truc à compteur. Donc vous le faites tourner comme ça. Et en gros, il y a une échelle de 1 à 12 et voilà. Et le truc principal avec ce casque, c'est que c'est un casque prise jack fait pour exactement pour, en gros c'est fait pour la PS4. Donc attendez, je vais chercher la manette. Donc attendez, je vais retirer ce bouchon là. Ah, c'est un peu dur à enlever. Ah. Voilà, c'est bon. Donc ça rend parfaitement avec le micro. Et en gros, le truc bien aussi avec ce casque, c'est que c'est un casque dont le fil est tressé. Ce qui le rend un peu plus durable. Mais par contre, le seul défaut qu'il y a à ce casque, c'est que je trouve que... Attendez, je vais quand même enlever ça, on sait jamais. Il sait peut-être que je me trompe. Ces vieux trucs là qu'on met là, les trucs qu'on sert à rien. Allez, allez. Désolé si ça prend un peu de temps. Voilà.
Ouais, c'est bien ce que je pensais. Le fil, il est un peu trop petit. Attendez, je vais me... Il fait à peu près... Il fait à peu près 1m50. Ça va, c'est plutôt bien pour... Ça irait plutôt bien avec la PS4. La PS4. Puisque, comparé à l'autre, le fil mesure exactement 2m10. Ouais. 2m10. Donc, voilà. C'est un bon casque, je trouve. Je le testerai. Dès que je le testerai, je vous dirai ce que ça donne. En attendant, je vais voir ce que ça donne sur ma tête. Oh là là. C'est génial. Ça marche très bien. Le micro va très bien. Ouais, ça va exactement bien avec. C'est ultra léger. Hein. Franchement. C'est vraiment ultra léger, je le sens même pas, si je puis dire. Donc, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner si ça vous a vraiment, vraiment, vraiment plu. Donc, vous me dites en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos unboxing pour la prochaine fois. Bon, gros conclusion pour le casque, c'est un très bon casque. J'ai hâte que ça de le tester directement sur un jeu PS4 quoi. Et voilà. En tout cas, moi je vous dis ciao pour de prochaines aventures.